Un journaliste de la télévision irakienne a lancé ses chaussures à la tête du président des États-Unis George W. Bush et l'a traité de chien en arabe lors d'une conférence de presse avec le président irakien Nouri el-Maliki à Bagdad ce dimanche. Par chance, Bush a eu le temps de se baisser et d'éviter le soulier qui lui était destiné. Les gardes du corps ont ensuite maîtrisé le lanceur de savates alors que le président américain a souri légèrement suite à cet incident qui survient lors d'une visite surprise dans le pays.